Je vous salue, ô Croix sainte, mon unique espérance, la gloire et le salut du monde. Que les justes trouvent en vous une augmentation de sainteté, et les pécheurs le pardon de leurs péchés. Vive Jésus, vive sa croix. Ô qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. Disons donc tous à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds, afin d'implorer votre divine miséricorde pour nous et pour les âmes des fidèles qui sont morts. Daignez-nous appliquer à tous les mérites infinis de votre sainte passion que nous allons méditer. Faites que dans cette voie de soupirs et de larmes où nous entrons, nos cœurs soient tellement contris et repentants que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances et les humiliations de cette vie. Et vous, ô très sainte Marie, qui, la première, nous avez enseigné à faire le chemin de la croix, obtenez de l'adorable Trinité qu'elle daigne accepter, en réparation de tant d'injures qui lui sont faites, les affections de douleur et d'amour dont l'esprit vivificateur nous favorisera pendant ce saint exercice. Suivons sur la montagne sainte notre Sauveur, sanglant, défiguré, et marchons après lui sans crainte, sous le poids de l'arbre sacré. Mère Sainte, daignez opérer en moi ce prodige. Imprimez fortement dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Seigneur, malgré votre innocence, c'est moi, cruel, qui vous livre au trépas. Se peut-il que votre vengeance de ces traits ne m'accable pas Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Première station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est condamné à mort. Considérons la soumission admirable de Jésus lorsqu'il reçoit cette injuste sentence. Et tâchons de bien nous persuader que ce ne fut pas seulement Pilate qui le condamna, mais nous tous ici présents, et tous les pécheurs de l'univers qui demandaient sa mort. Disons-lui donc, pénétrés de la plus vive douleur oh ⁇ Ô adorable Jésus, puisque ce sont nos crimes qui vous ont conduit au trépas, faites que nous les détestions de tout notre cœur, afin que notre repentir et notre pénitence nous obtiennent pardon et miséricorde. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Hélas, sous cette croix pesante, Divine Agneau, vous portez nos péchés. C'est sur votre chair innocente que l'amour les tient attachés. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Deuxième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est chargé de sa croix. Avec quelle douceur notre divin Maître reçoit sur ses épaules meurtries et ensanglantées le terrible instrument de son supplice. C'est ainsi qu'il veut nous enseigner à porter notre croix, en acceptant, avec la plus grande résignation, les mots qui nous sont envoyés du ciel ou qui nous viennent de la part des créatures. Ô doux Jésus, ce n'était point à vous de porter cette croix, puisque vous étiez innocent, mais à nous, misérables pécheurs, chargés de toutes sortes d'iniquités. Donnez-nous donc la force de vous imiter, en supportant sans murmure les revers et les disgrâces de cette vie, qui, dans l'ordre de votre providence paternelle, doivent être pour nous l'occasion de satisfaire à votre justice. Et le moyen d'arriver à la céleste patrie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Ô ciel, le Dieu de la nature tombe affaibli sous son cruel fardeau, et sa perfide créature, sans pitié, devient son bourreau. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Troisième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Jésus-Christ entre dans la route du calvaire. Le sang qu'il avait répandu dans la flagellation et le couronnement d'épines l'ont tellement affaibli qu'il tombe sous son pesant fardeau et ne se relève qu'après les outrages les plus sanglants qu'il endure sans témoigner aucun sentiment d'indignation. Voilà comment il a voulu expier toutes nos chutes et nous apprendre à nous relever par les austérités de la pénitence quand nous avons eu le malheur de retomber dans l'abîme du péché. Ô bon Jésus, tendez-nous une main secourable au milieu de tant de dangers auxquels nous sommes exposés. Daignez-nous fortifier dans nos faiblesses, afin qu'après vous avoir suivi courageusement sur le calvaire, nous puissions y goûter les fruits délicieux de l'arbre de vie et devenir éternellement heureux avec vous. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et maintenant. Et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Où allez-vous, très sainte Mère Où allez-vous, Marie Ah, je frémis. Bientôt, sur ce triste calvaire, va mourir votre aimable fils. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Quatrième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus rencontre sa très chère Mère. Ah, qu'il fut douloureux pour ce divin Fils de voir cette Mère chérie dans des circonstances si cruelles. Et pour Marie de voir son aimable fils traîné inhumainement par une troupe de scélérats au milieu d'un peuple innombrable qui le charge d'injures. À cette vue, son cœur maternel est percé de mille glaives et est livré à toutes les angoisses. Elle voudrait délivrer notre Sauveur et l'arracher des mains de ses bourreaux, mais elle sait qu'il faut que notre salut s'opère ainsi. Unissant donc le sacrifice de son amour à celui de son fils, elle partage toutes ses souffrances. Et s'attache à lui jusqu'au dernier soupir. Ô Marie, mère de douleur, obtenez-nous cet amour ardent avec lequel vous accompagnâtes Jésus-Christ sur la montagne sainte, et cette fermeté que vous fîtes paraître au pied de la croix, afin que nous y demeurions constamment avec vous, et que rien ne puisse jamais nous en séparer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Puisque c'est moi qui suis coupable, retirez-vous, faible Cyrénéen. Je veux seul, ô croix adorable, vous porter, mais en vrai chrétien. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Cinquième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Quelle est grande la bonté de Jésus-Christ envers nous. S'il permet qu'on l'aide à porter sa croix, ce n'est pas qu'il manque de force étant celui qui soutient l'univers, mais il veut nous enseigner à unir nos souffrances aux siennes et à partager avec lui son calice d'amertume. Ô oh Jésus notre Maître, vous en avez bu le plus amer et vous ne nous en avez laissé que la plus petite partie. Ne permettez pas que nous soyons assez ennemis de nous-mêmes pour la refuser. Faites, au contraire, que nous l'acceptions volontiers, afin de nous rendre dignes de participer au torrent de délices dont vous enivrez vos élus dans la terre des vivants. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Seigneur, hélas, qu'est devenue votre beauté qui réjouit les saints. Faible mortel, à cette vue, serez-vous endurci et vain? Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Sixième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. Une femme pieuse essuie la face de Jésus-Christ. Admirons l'action héroïque de cette sainte femme qui s'avance à travers la foule des soldats pour voir son divin maître. Elle l'aperçoit tout couvert de crachats, de poussière, de sueur et de sang. Un tel spectacle attendrit son âme jusqu'aux larmes. Et son amour la mettant au-dessus de toute crainte, elle s'approche de Jésus et suit ce visage défiguré, cette auguste face qui ravit tous les saints, devant laquelle les anges se couvrent de leurs ailes, ne pouvant en soutenir l'éclat. Ô oh Jésus, le plus beau des enfants des hommes, en quel état vous a réduit votre amour pour nous? Non, jamais vous n'avez été plus digne de nos adorations et de nos hommages. Nous vous adorons donc, et, prosternés devant votre divine majesté, nous vous supplions d'oublier toutes nos offenses et de rendre à notre âme son ancienne beauté qu'elle a perdue par le péché. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Sous les coups des bourreaux perfides, Jésus-Christ tombe une seconde fois. Et ces infâmes déicides le voudraient déjà sur la croix. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Septième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus tombe à terre pour la seconde fois. L'homme-dieu succombe de nouveau. Contemplons cette sainte victime étendue par terre sous le fait horrible du bois de son sacrifice, exposée de nouveau à la cruauté des soldats et de ses meurtriers. C'est encore pour nous donner des preuves de son amour infini que Jésus-Christ permet cette seconde chute. Il veut nous montrer par là que, retombant si souvent dans le péché, nous ne devons néanmoins jamais perdre confiance mais tout espérer de sa miséricorde, et qu'au milieu des plus grandes afflictions, il ne faut pas se laisser aller au découragement, que la voie du ciel est semée de ronces et d'épines, que pour être glorifié, il faut auparavant passer par le creuset des souffrances. Ô oh Jésus, notre force, préservez-nous de toute rechute, et ne permettez pas que nous ayons le malheur, en nous perdant, de rendre inutile tant de fatigue et de peine que vous avez endurées pour nous délivrer de la mort éternelle. » Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Ne pleurez point sur mes souffrances, pleurez sur vous, ô filles d'Israël, afin que le Dieu des vengeances ait pour vous un cœur paternel. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Huitième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus console les filles d'Israël qui le suivent. Admirons ici la générosité incomparable de Jésus-Christ. Il oublie pour ainsi dire ses propres souffrances, afin de ne s'occuper que de celles des saintes femmes et de leur procurer les consolations dont elles avaient besoin, dans le grand abattement où son état déplorable les avait jetées. En leur recommandant de ne point pleurer sur lui, mais plutôt sur elle-même et sur leur perfide patrie, il nous a fait sentir que son cœur serait peu sensible à notre compassion si nous ne commencions par pleurer nos péchés qui sont la seule cause de ses douleurs. Ô aimable Jésus, vrai consolateur des âmes affligées, daignez jeter sur nous des regards de tendresse et de miséricorde. Faites-nous la grâce de vous accompagner constamment dans le chemin de la croix, avec les filles de Jérusalem, afin d'y entendre comme elles des paroles de vie. Et d'y jouir de vos ineffables consolations. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Seigneur, vous tombez de faiblesse, n'êtes-vous plus le Dieu puissant et fort C'est le péché qui vous oppresse et conduit vos pas à la mort. Ô Sainte Mère, Gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Neuvième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. Jésus tombe pour la troisième fois. L'adorable Jésus arrive enfin au sommet du calvaire. Il jette alors ses regards sur le lieu où il va bientôt être sacrifié à la fureur de ses ennemis. Ce qui l'occupe en ce moment, ce sont nos chutes sans fin, et l'inutilité de l'effusion de son sang pour un grand nombre de pécheurs. Cette pensée cruelle le consterne et afflige son tendre cœur plus que tous les supplices qu'il doit souffrir. Elle jette son âme dans une profonde tristesse et dans un si cruel abattement que ses forces venant à lui manquer, comme dans son agonie, il se laisse aller la face contre terre. Ô Jésus, victime d'amour, voici donc que vous allez être immolé pour le salut des hommes. Teignez-nous appliquer les mérites de votre sacrifice dans le temps, afin que nous puissions vous offrir celui de nos louanges pendant l'éternité. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Venez et déployez vos ailes, anges du ciel, sur votre Créateur. Voyez ces blessures cruelles et ce corps navré de douleur. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Dixième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Considérons combien fut grande la douleur de Jésus-Christ lorsque ses bourreaux lui arrachèrent ses habits. Toutes les plaies qu'il avait reçues et qui avait collé sa robe contre sa chair sacrée, se rouvrirent en ce moment pour lui faire souffrir à la fois tous les tourments de la flagellation. Mais ce qui lui fut encore plus sensible, c'était de se voir exposé tout nu à la vue d'une foule immense de spectateurs. Ô Jésus, divin agneau, vous voilà donc parvenu au lieu de votre supplice sans que vous ayez ouvert la bouche pour vous plaindre. Ah, que votre silence est éloquent et énergique. Avec quelle force ne nous prêche-t-il pas la nécessité de réprimer nos impatiences et nos murmures Vous vous laissez encore dépouiller de vos vêtements pour expier le malheur que nous avons eu de perdre le don précieux de la grâce. Daignez donc nous le faire recouvrer et nous dépouiller entièrement du vieil homme, afin que nous ne vivions plus que selon les sentiments de votre cœur adorable. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Que faites-vous, peuple barbare Vous allez donc consommer vos forfaits Ce bois est le lit qu'on prépare. À Jésus pourtant de bienfaits Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Onzième Station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est attaché à la croix. Jésus-Christ s'offre à ses bourreaux pour être crucifié en s'étendant lui-même sur l'arbre de la croix. Quel tourment ne dut-il pas endurer, dans le temps que les coups de marteau enfonçaient les clous dans ses pieds et dans ses mains adorables. Alors sa chair se déchire, ses os se froissent, ses nerfs se rompent, ses veines se brisent, le sang coulant à grand flots épuise ses forces et ajoute à de si horribles supplices celui de la soif la plus ardente. Ô oh péché, maudit péché, c'est toi qui fus la cause de cette mer de douleur dans laquelle nous contemplons la victime de notre salut. Ah chrétien, quel excès d'amour, quelle immense charité! Qu'à cette vue nos cœurs se déchirent et s'embrasent! Qu'il renonce à tous les plaisirs de la terre, qu'il soit sans cesse crucifié avec celui de Jésus, et que nos yeux versent jour et nuit des torrents de larmes. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Le soleil, à ce crime horrible, voile l'éclat de son front radieux, et la créature insensible ne peut voir ce spectacle affreux. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 12 Station. Nous vous adorons, ô oh Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus meurt sur la croix. Jésus, le Dieu de toute sainteté, expire entre deux scélérats. Admirons la douceur et la force de son amour. Il demande à son Père le pardon de ses bourreaux. Il promet sa gloire au bon larron, il remet son âme entre les mains de son Père, il annonce que tout est consommé, et il expire pour nous. Dans le même instant, toutes les créatures publient sa divinité. La nature entière s'attriste et semble vouloir s'anéantir en voyant expirer son Créateur. Ô pêcheurs, n'y aura-t-il que vous qui demeurez insensible à ce spectacle si attendrissant Jetez un regard sur votre Sauveur. Voyez l'état affreux où vos crimes l'ont réduit. Il vous pardonne cependant, si votre repentir est sincère. Il a ses pieds attachés pour vous attendre, ses bras étendus pour vous recevoir, son côté ouvert et son cœur blessé pour répandre sur vous toutes ses grâces, sa tête penchée pour vous donner le baiser de paix et de réconciliation. Accourons donc tous auprès de sa croix, et mourons pour lui puisqu'il est mort pour nous. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Le voilà donc, Mère affligée, ce tendre fils meurtri, sacrifié. Notre victime est immolée, votre amour est crucifié. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 13e station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est détaché de la croix et remis à sa sainte mère. Considérons la douleur extrême de cette tendre mère après la mort de Jésus, son divin Fils. Elle reçoit ce précieux dépôt entre ses bras. Elle contemple son visage pâle, sanglant, défiguré. Elle voit ses yeux éteints, ses mains et ses pieds percés. Cette vue est pour elle un martyre ineffable et dont Dieu seul peut connaître tout le prix. Ô Marie, c'est nous qui sommes la cause de votre affliction, et ce sont nos péchés qui ont transpercé votre âme en attachant Jésus-Christ à la croix. Daignez, ô Mère de miséricorde, obtenir notre pardon et nous permettre d'adorer dans vos bras notre amour crucifié. Imprimez tellement dans nos âmes les douleurs que vous ressentiez au pied de la croix, que nous n'en perdions jamais le souvenir. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Près de cette tombe chérie, je veux mourir de douleur et d'amour, pour y puiser une autre vie et voler au divin séjour. Ô Sainte Mère, gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Quatorzième Station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. Jésus est mis dans le Sépulcre. Voici donc, ô Jésus, notre cher Rédempteur, voici donc où repose votre cœur adorable, le précieux gage de notre salut. Faites que notre plus grande consolation dans cette vallée de larmes soit de nous occuper des supplices et de la mort ignominieuse que vous avez endurée pour nous racheter. Et parce que vous n'avez voulu être placé dans un sépulcre nouveau que pour nous faire connaître que c'était avec un nouveau cœur que nous devions nous approcher de vous dans le sacrement de votre amour, daignez nous purifier de toutes nos tâches et nous rendre dignes de nous asseoir souvent à votre sacré banquet. Ensevelissez dans ce même tombeau toutes nos iniquités et nos convoitises. Afin que, mourant à nos passions et à toutes les choses d'ici-bas pour mener une vie cachée en Dieu, nous méritions de faire une fin heureuse et de vous contempler à découvert dans la splendeur de votre gloire. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Seigneur, dans mon âme attendrie, Gravez les maux qu'on vous a fait souffrir. Et vous, ô Très Sainte Marie, hâtez-vous de nous secourir. Adoramus Te Criste et Benedicimus Tibi, Guya per Sanctam Crucem Tuam Redimisti Mundum, Ora Pronobis Virgo Dolorosissima dignificiamo Promissionibus Christi. oremus pro fidelibus defunctis, requiem eternam donaeis domine, et lux perpetua luciatis requiescant in pace. Amen. Oremus, respice quesumus domine super anc familiam tuam, pro qua dominus noster Iesus Christus, non dubitavit manibus tradinus sensium et cusis subire tormentum. Domine Iesu Christe, fili Dei Vivi, qui ora sexta, pro redemptione mundi, cuscis patibulum ascendisti, et semguinentum preciosum in remissionem peccatorum nostrum illudisti, teum militair precamo, ut post obitum nostrum januam paradisi, nos gaudentes intruere concedas. Interviniat pro nobis quesumus Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostre. pu de toan Clemencia bé a Virgo Maria Mater to cuus saatisimm animam ignora to e passionist dolorisc gladius per transit Deusus regè l'ajtor e man sautis amator comus clemencia Anantoan ut nostre congregacionist fra tres propinòs e benefactores quiò que se colo transiron de Bertta Maria en pe virgin interente. cum commandibus sanctis tuis ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas per dominum nostrum iesum christum filium tuum qui te convivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum amen Pace Domine, pace Populo Tuo, nene te nomiras caris nobis, Ie, Iesu Domine, dona eis requiem, sem piternam, iube Domine benedicere, benedicat nost, Dominus nostre Iesus Christus, qui pro nobis pagiatus est, cucem portabit et fuit cus vixus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.